Et bonsoir les amis, alors on se retrouve pour le pronostic cheval couplé 2 sur 4 et multi en 7 de ce vendredi 26 juin. Donc tout d'abord je tenais à vous dire que en description sous la vidéo vous avez le lien de ma chaîne YouTube secondaire, donc n'hésitez pas à aller la voir, à visionner les vidéos, à les liker, à les partager, à partager la chaîne et à vous y abonner bien entendu. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Enfin, je vous montre mon travail, ce que je fais dans mon travail. Donc, je vous montre mon métier en gros. Donc, n'hésitez pas à y aller. Il y a pas mal de vidéos déjà de postées. Il y en aura d'autres à venir. Donc, n'hésitez pas à y aller. Ensuite, sur ma chaîne YouTube actuelle, dans la section vidéo, vous avez le pronostic écrit du Quinté Plus et le pronostic Quinté Plus de ce vendredi 26 juin. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, les visionner, les liker et les partager. Donc, on va faire les arrivées de ce jeudi 25 juin. Donc, ça a été des courses pas trop mal, on va dire. Donc, la première, la R2 C8, qui était à 15h17 à Vichy. L'arrivée, le 9, le 10, le 13, le 1 et le 6. Donc, mon favori gagne. Bon, un petit rapport, mais il fallait bien se protéger, je pense. Deux gagnants et 1,20 placé. On remporte un 2 sur 4 combiné 9-1 qui fait 5,40. Alors les rapports sont assez faibles, malheureusement. Un couplet gagnant qui fait 4,50. Un couplet placé qui nous fait 2,85. Et on remporte également 8 fois le multi en 7, en champ total, puisque j'ai mes 4 bases dans l'arrivée. Donc ça nous fait 5,40 x 8, 43,20. Pour ceux qui étaient de la deuxième course, la R3 C7 à 18h30 à Laval. L'arrivée est le 11, le 8, le 12, le 4 et le 6. Donc mon favori est deuxième et il fait 5,30 placés. Alors là, c'est pas pareil. C'est un très beau rapport. Et on remporte également un couplet placé 8-12 qui nous fait 38,10. Donc voilà pour les arrivées de ce jeudi 25 juin. Donc on va passer au pronostic de ce vendredi 26 juin. Donc on commence avec la première course qui sera la R2 C8 à 15h32 à Clairefontaine. Ce sera du plat sur 1600 mètres et il y aura 15 partants. Mon favori sera le 11, Inévitable Herman, monté par Bachelot. Mon 2 sur 4 combiné sera le 11, le 7 et le 15. Mon couplet combiné sera le 11, le 7, le 15 et le 3. Et mon multi en 7 en champ total sera le 11, le 7, le 15, le 3, le 1 et le 4. Pour ce qui est de la deuxième course, ce sera la R1 C5 à 19h à Vincennes. Ce sera de l'attelée sur 2100 mètres. Il y aura 15 partants. Mon favori sera le 5, Fée de Bosnay, drivé par Van Eckhout. Mon 2 sur 4 combiné sera le 5, le 10 et le 12. Mon couplet combiné sera le 5, le 10, le 12 et le 11. Et mon multi en 7 en champ total sera le 5, le 10, le 12, le 11, le 15 et le 1. Donc voilà les amis pour le pronostic de ce vendredi 26 juin. Donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube secondaire en description sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir le pronostic Quinté Plus et le pronostic écrit du Quinté Plus dans la section vidéo de ma chaîne YouTube actuelle. Et n'hésitez pas à aller voir le pronostic Pick 5 également puisqu'il va être posté dans peu de temps. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner avec ce logo ou celui-ci ou ici ou ici. Sans oublier la petite cloche pour recevoir mes notifications et vidéos. Et likez, partagez, abonnez-vous. Et moi je vous dis ciao les potos, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.